Et salut tout le monde! On se retrouve pour essayer de finir ce jeu. Qu'il est long. Qu'il est très long. Metroid Prime. Voilà. Vraiment, vraiment très long. Temps de jeu 22h05 avec les sauvegardes. Faut pas oublier le nombre de morts qu'il y a eu sans sauvegarde. Je dis ça, je dis rien. Et c'est un jeu horrible à ce niveau-là. Cratère d'impact. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a la salle en plus, faut remonter la salle. Ok. Faut passer là. Il faut remonter dans cette putain de salle de merde avec des métroïdes de partout. Ah, qu'est-ce qu'il a, métroïde? Laisse-moi monter. Ah non, tu me laisses monter, connard. Ça commence très très bien. Oh putain. Allez, casse-toi. Metroid à la con là. Merde, c'est un Metroid de glace forcément. Et c'est ceux qui se dédoublent. Eh putain. Bam! Allez, dégage! Voilà. Faut me laisser monter maintenant. Ici. Ah non, ah non, ah non! Tu me laisses aller ici. Et après on discute. Voilà. Allez, crève. Ok. Fait. On va essayer de monter à l'arrache. Le plasma, c'est bon, on peut ouvrir la porte. Metroid Prime, nous voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette salle de... Mais... Ah! Salle de merde. Il faut la bonne canne. Ici, voilà. Et là, on peut y aller. Voilà, tranquillement. Bonjour. Grosse bestiole. Ouais, je crois que ça commence par la glace en plus. Je vais directement mettre le rayon de glace. Reviens!
Ah non, forcément, il commence pas par rayon de glace. C'était trop beau pour être vrai. Quand j'utilise des missiles, il loupe sa gueule. Oh. Peut-être pas faire des attaques chargées. Et allez. Allez, mais crève. Voilà. Ok. Nouveau sous-sol. Ça c'est fait. Je peux pas tirer. Allez. Est-ce que c'est la reprise qui est si compliquée, c'est ça? Ah, du bon réflexe. Place.
Ok. Allez. Plasma. Ok. Ça va changer. Nouvelle phase. Glace, boisson fraîche. Glace. Ah non, c'est neutre.
Un petit peu de vie, ce serait pas de refus. Merci de m'avoir écouté. Il est repassé en plasma. Ok. Putain, oh putain, non. Allez. Je sais que t'es pas mort, mon gars. Merde. J'ai plus beaucoup de vie. Bon. Bon. Sanchiro, Segata, Sanchiro, Sega Satan, Shiro. Salut DC. Comment va? Tu voulais pas me déconcentrer. Bah là je suis dans la partie la plus DPSL Dota. Enfin du boss. Peut-être pas du jeu mais du boss. Putain, j'ai de la vie. Récupère Samus, récupère. Voilà. Faut changer la vue. C'est quelle vue déjà, je sais plus. Je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Aïe. Putain, il est où? J'aime pas cette vue en même temps. Celle-là, elle est mieux. Elle est où sa flaque là de façon? Là. Quoi, je suis pas dedans? Non, parce qu'elle est là, sa plaque de poison. Connard, t'es où? Putain, il est où? Il est horrible, ce boss.
Ah oh, putain, il a des mini-métroïdes là. Qui ont une couleur, je crois, en plus pour les détruire. Ça, c'est souvent aussi. Mais oui, je sais que c'est des métroïdes. Rêve. Putain, et puis il y a d'autres métroïdes, ça me saoule. Comme si le boss n'était pas assez compliqué comme ça. Putain, mais il est où? Mais on le voit pas. Je suis pas dans une plaque de phason là, il est... Putain, on voit pas où il est. Ah non, mais il est balèze. Aïe. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais il est balèze. Le Metroid Prime, il est balèze. En plus, faut se retaper toute la salle de merde. Toute la phase du boss. On voit pas où on marche. On voit pas où il est. Il nous envoie des métroïdes en plus. Je crois que c'est le boss le plus chiant du jeu. Et pourtant il y en a eu quand même qui était chiant. Et allez. Ah, pas tomber, pas tomber, pas tomber Samus. Voilà, c'est bien. Allez, dégage. Laisse-moi passer. Voilà. Que je démarre avec le maximum d'énergie. Ça serait déjà pas mal. Allez, dégage, connard. Moi, je vais essayer d'y aller direct. Ouais, c'est clair. Il n'y a déjà rien qu'ici, il faut économiser de la vie. Sauf que t'as des métroïdes de merde. Allez, dégage. Ouh putain! Et merde! Voilà, déjà rien que ça, c'est mort. Voilà. Rien que là, c'est mort.
tout cas, j'espère que tu vas bien, DC. Et hop. Allez, mais dégage, connard. Glace, il va se dédoubler. Putain. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, dégage. Et dédouble-toi pas, ce connard. Ah, c'est bien. C'est bien de m'avoir écouté, merci. Allez, je monte. Bon. C'est reti par. Bon. Classe, classe. Qui est chiant ce rayon glace, il est trop lent. Déjà, on a la bonne méthode à ce niveau-là.
Ben, on va finir par niquer. Faut bien. Ah putain. Apparemment, quand on est trop près de lui, il nous fait son truc de glace. Pas évident d'économiser de la vie ici. En rouge, hein. Allez. Rayon glace, j'ai dit. Bon. J'avais pas vu venir celle-là.
pas ça. Ah non, tu l'es. Ah, il a pas envie, hein. J'ai quasiment plus de vie, c'est encore pire que tout à l'heure. Putain, il est chiant ce boss. Allez, c'est bon, je crève. Ouais, si tu veux me redonner de la vie, vas-y. Mais fais-moi pas crever, s'il te plaît. Putain, j'aime pas quand il est comme ça. Voilà. Parce qu'il y a des petites boules là qui font chier sous leur monde. Mais c'est bon, t'as fini Jaco là? Je sais pas pourquoi j'ai dit Jaco. Ouais, c'est bon, tu me fais crever ou pas? Voilà, au moins c'est fait. Pas évident, il est vraiment pas évident du tout, et je sais même pas si c'est la fin en plus, c'est ça le pire. 69%, ça m'étonnerait que ce soit la fin. Allez. On y va, on y croit. Et merde. Mais non. Bâtard.
là, ce jeu de merde. Au niveau de la visibilité, c'est pas top. Il est bien chiant. Et merde, putain, là c'est de ma faute. Allez. Ah non! Oh putain! Ouais, c'est bon, crève. Vas-y, crève, Samus! Allez! L'indice. On ne va pas bouger. Ça ira plus vite. Énergie critique. Voilà. On repart sur des bonnes bases. Bon. Je suis pas passé loin d'une perte de dégâts totalement débile. Je vais vraiment pas y arriver. Allez, dégage! T'as pas intérêt à te dédoubler. Mais non. Oh putain. Pourquoi j'y arrive pas? Esquive bien. Ouais.
Oh non, il s'était doublé, putain. Allez. Foutez-moi la paix, merde. Puis les stations de rechargement, ça donne pas de la vie. Parce qu'il y en a une juste derrière. Sauf que ça sert à rien vu que je suis full. Et ça redonne même pas les bombes de bout de morphing. Allez, dégage. Il redonne que dalle en plus, c'est ça qui est top. Wow, putain, j'ai cru que j'allais tomber là. Allez, dégage. Dégage, dégage. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Okay. Eh merde, c'est bon, je passe à l'arrache. Parce que là en plus il n'y a que dalle. Il n'y a rien qui te redonne de la vie, t'es obligé d'aller là-bas. Bon. Bon. On continue. Rayon de glace. Si on peut, non, il est en fond de map, il peut pas changer. Allez. Vraiment fou. Allez.
Ok. Bon, pour le moment, ça a l'air de pas trop mal se passer. Non, non, non. Glace à la con. Mais j'ai sauté pourtant. Alors que ça te dirait de try le Mexique en scred. Bah oui. T'inquiète, DC. Je suis toujours partant. Si, mais c'est assez chiant à faire. Ce qui serait cool, c'est qu'il me donne de la vie, quoi. Je pense que ça sera plus safe si tu arrives à pas te prendre les caméras du boss.
j'essaye de faire, mais après c'est pas évident. Sachant que si tu double sautes trop tôt, tu perds en hauteur. Encore ce putain de rayon de glace à la con. Ah non. Il est repassé en plasma. Ouais. Putain, j'aime pas quand il fait ça. Allez, putain, deux fois. Trois fois. Putain, il en a pas marre de changer de forme, lui. Il est en quoi maintenant? Il est en ça. En tout cas, j'ai pas perdu énormément de vie, c'est ça l'important. Crève, crève, crève. Non, mais il change de truc tout le temps. Rien laissé du tout. Ouais, j'ai plus de vie que tout à l'heure. C'est déjà pas mal. Par contre, il n'y a rien pour donner la vie. C'est un truc de malade. On n'est pas sur émulateur, on peut pas faire de save. Voilà. Bon, bonjour.
On va essayer de pas prendre le plasma. Ok, plaque de phason, hop, faut changer ça par ça. Putain, mais elle est où la flaque là? Ouais, je sais que je lui fais zéro dégâts, c'est normal. C'est qu'il faut aller dans la flaque de phason pour l'arroser. Il est sensible qu'au phason, ce truc de merde. Là, la flaque de phason, elle est ici. Voilà. Et là, je peux lui faire des dégâts. Par contre, je vois pas où est-ce qu'il est. Voilà. Ouais, t'as raison. Putain. Par contre, je sais pas si on si on tire, s'il change de forme. C'est ça le problème. Allez, t'es où, connard, là? Eve. Il est où? L'inconvénient, c'est qu'on voit pas où il est, cet enculé là. Vas-y. Ok, je crois avoir compris le truc.
T'as raison, Desselman, faut pas lui tirer dessus. De façon, il est là. Allez, tire. Putain, j'étais pas sur la plaque, ça me saoule. Et tu me refais une plaque de phason ? Tu es où ? Ouais, mais l'inconvénient c'est que je vois pas les attaques qu'il me fait si je le lock pas. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. En tout cas, merci des conseils. Et salut Pargo! Comment vas-tu? T'y crois? Je sais pas. Je pense que je peux le faire. Je commence à trouver des solutions pour y arriver. Connard. Hop. C'est bon, ça passe quand même. On monte. On monte. On monte. On est monté. Genre, tu lock quand il attaque, oui, pour esquiver. Toi, tu tires pas. Et dès qu'une flaque apparaît, trace dessus, ouais. À tester, ouais. Hey, dégagez, putain de Metroid à la con! Il va se dédoubler. Voilà, il va y en avoir 36. Je suis sur la plateforme. C'est déjà pas mal.
Oui, après quoi le dauphin, c'est largement faisable, oui. Ah oui, au boss de Metroid. Ouais. Il est bordélique, c'est vrai. Et bon, après, je prendrai une petite pause quand même avant de commencer sur le 2. Parce qu'il paraît, le 2 est encore pire. Des semaines qui finit toujours les jeux, hein. C'est pas les boss qui sont plus durs, c'est tout le jeu. Peut le faire. Oh putain, je déteste le rayon de glace. T'arrêtes avec tes super missiles à la con là? Ah, j'ai sauté pourtant! Et le prochain RPG, j'en ai pas parlé, c'est Ocarina of Time sur GameCube.
C'est bon, tu peux l'arrêter alors. Si t'es aux trois quarts du jeu. Le taux de renouvellement des niveaux par contre c'était incroyable. Rattraper 10 fois la larve, non, j'en peux plus. Oh, j'ai toute ma vie. Oh, c'est magnifique. Chiu. Allez, oh.
je lirai le chat après. Non, 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 j'ai pas envie de crever. Merci de ta compréhension, monsieur Prime. At in time, non, ça me dit rien du tout comme jeu. At in time. Notez aussi de mon côté. Mario 64 Lite que j'ai recommencé, que j'ai commencé, il est super, j'ai cru revenir en enfance. Ah, sans les défauts à la con, ouais. Il peut être sympa, ouais. J'ai tenté un mini live dessus. Il est sur tous les supports, même Switch. Ah ouais. Studio indé, ouais. En même temps, les studios indé, il y a toujours des bons jeux. Il y a souvent des bons jeux. tu bloques sur le Metroid. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est comme je les traite. En même temps, j'en ai pas eu beaucoup des abos Prime, donc... Ouais, plus à l'aise avec la première partie, ouais. ça commence à viendre. Ah putain, il a changé de couleur juste avant. C'est à cause de moi si tu finis pas Zelda et Shenmue, bébé. Casse-toi avec ton rayon à ondes là. Crève, 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 vas-y, crève. Plasma. Putain, il est repassé en rayon glace, et il est repassé en rayon classique, et il est repassé en... Putain, il est chiant ce boss. Mais arrête de changer. Ouais, je sais qu'il faut changer le viseur à chaque fois qu'on le voit plus. C'est même relou. Vraiment relou. Putain, mais arrête de me tirer dessus là! Crève, Metroid! Pas le bon rayon.
Mais non, mais... Il me charge là. Il n'est pas décidé. Quand les devs savent plus quoi faire pour t'emmerder, ils rendent le boss invisible. Tout à fait. Y a rien à récup, non. Bon. Non, j'ai pas de bombe de puissance. Quand les développeurs ont plus d'idées pour leur jeu, ils mettent un boss de fin. Ouais, non, mais les bombes de puissance, j'en avais la première fois que je suis arrivé dans les mines, enfin dans cette partie. Je les ai utilisées, je suis mort et ils me les ont jamais remises. Donc j'en ai pas. Bonjour monsieur le boss, bonjour. Go. Faut tenter un aller-retour jusqu'au vaisseau. Ouais. Oh putain, j'ai toute ma vie. Allez. Hyper mode. Crève. Flaque de phason, s'il te plaît. Merde. Pourquoi il veut pas me... Je voulais même pas prendre le thermique. Putain, elle est où la flaque? Elle est où la flaque là? Elle est là. De façon bizarre normal.
Ah, j'ai des bombes de puissance, j'en ai récupéré. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est clair, ça marche. Bah oui, ah. De poison. Ok. Ah. Allez, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Plaque de phason, changement. Ces bébés qui font chier là. Allez. Mais non. Ah putain. Oh, ce boss de merde. C'est hyper mode, pas hypertension. Bombe de puissance sur le petit Metroid. Bah oui, mais l'inconvénient, c'est que les bombes de puissance, elles s'épuisent vite. Elle est en mode Karl Lagerfeld. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah putain. En vrai, je pense qu'à certains tours, tu devrais juste buter les petits Metroids.
Ouais. Ouais. Bon. On fait un aller-retour. Talon Overworld. Et salut Emule-moi, comment ça va? Oh, je reviens de vacances, donc je suis pas fatigué. Allez, pas besoin de save. L'important c'est d'avoir tout l'intirail de Samus. Voilà, 5 bombes de puissance, c'est pas énorme. Le désir qui nous anime, serait-ce le jeu rétro? Eh merde. Peut-être. En plus, il est beau Metroid en 480p. Il est trop fort life, ouais. Ok, à tout de suite. Impact crater. Putain, il est déjà 22h43. Wouah. Ça passe vite. Ah non, vous allez pas me faire chier les métroïdes. Et merde, j'ai pas sauté assez loin. C'est bon. J'ai même pas perdu un point de vie. Et merde, culé. Dégage! Je t'ai dit dégage! Oh le bâtard! Va falloir que je les dégomme. Va falloir que je les dégomme, ces enculés.
Oh putain. J'ai même pas réussi à le finir ce soir le jeu. Enfin, je sais même pas si c'est la fin d'ailleurs. Je pense que oui, mais. Putain, mais non. Vas-y, dégage. T'es où? Putain, j'aime pas quand il se dédouble. Putain, je suis parti chercher des bombes et j'ai pu en avoir. Horrible cette salle. C'est soit t'arrives à la PC, j'arrive même plus à parler. Soit on arrive à la passer sans encombre, sans galère à la passer. Dégage! Oh putain! Non! Ah, je vais pas y arriver. Je crois que j'ai pas d'autre choix. Dégage! Mais j'étais en train de te tirer dessus là, pas du jeu. Bon. C'est re-moi. Je t'ai pas dit le rayon de zone.
et tout est moche, crème. Bon, ça c'est bon. Ok. On a encore un rayon. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On a la technique. La Morphball miniature à côté de toi. Tu l'avais montré une fois en live, il me semble. Elle te portera chance, bah j'espère.
J'espère finir. Oui, il me semble. En tout cas, s'il est plus là, j'en ai raté un aussi. Putain, j'ai pas eu le réflexe. Non, il y a onde. Ouais, je vais pas changer de couleur. Okay. Allez, les boules de puissance là. Putain, j'ai plus le réflexe là. Non, allez, dégage. Mais non, mais il m'avait pas là, c'est pas possible. J'ai jamais joué à Dark Souls, je pourrais pas le dire. Mais c'est un boss qu'il faut s'accrocher pour y arriver. Oh putain! Allez, crève! Mais non, mais... Redonne-moi de la vie, connard! Allez, vas-y! T'as pas envie. Allez, ça va être multiples changements de forme, non?
Comment ça, j'ai pas le bon rayon aussi? J'ai le bon rayon. Voilà. Mais non! Mais. Putain! Putain, pourquoi il tire pas là le rayon du blast? Non! Mais putain, mais... Il est totalement imprévisible ce boss. Il y a des fois il va attaquer qu'une seule fois, il y a des fois il va attaquer deux fois d'affilée. Ok, c'est là la partie la plus chiante. Merde. Oui, il faut persévérer, docteur. Tu vas y arriver, tu peux le faire. Moi, je peux y arriver, je peux le faire. Je peux réussir à détruire ce putain de métroïde. Aïe. Aïe. Pourquoi ça? Hey, t'as intérêt de me redonner plein de vie là. Ok. Glace. Oh putain, je l'ai pas vu venir. Ah, il y a un move que j'utilise pas, c'est lequel? Merde. Il se met esquive, la terreur est rapide, c'est comment ça se fait ça? C'est quelle touche? Va falloir que je m'entraîne alors. Et...
Ah, ça me fait sauter, moi, c'est. Ah, c'est demi-tour rapide en fait. J'ai pas compris un truc. Putain! Oh. Ouais, c'est pas évident de placer le timing, doit être exact. Ouais. Ouais. Pas dans les costumes. Recherche artefact viseur affichage je sais pas où ça peut être costume de puissance bah non mais ça c'est ouais je suis pas sûr que ce soit noté. Viseur de combat. Le viseur de combat est activé par défaut. Il est doté d'un affichage tête haute qui intègre un radar. Les rayons disponibles sont. Non. Ça se prend l'analyse. Non, il n'y a rien du tout. Peut-être dans les costumes. Survie de protection très avancée à la structure. Déplacement milieu marin, costume de phason, il n'y a pas l'air d'y avoir. Ça marche qu'en visant un ennemi, ok. Ok, bon, bah, j'essaierai ça plus tard. Allez, putain. Je peux me donner la vie sur ça. Mais j'ai bien mes 5 boules, donc c'est bon. Mes 5 bombes. Ah putain de merde! Ah t'as craqué financièrement?
Donc t'as acheté quoi? Mais dégage! Putain, va falloir que je les esquinte. Il saoule ces métroïdes là, la con là. L'autre il va se dédoubler. Ah non, c'est bon. Allez, dégage! Voilà, crève! Non mais où? Mini Cooper S, une RTX 3090, un Ryzen 9. Un prompteur. Ok. Ah ouais, d'accord. Gros craquage. Bah moi j'ai pas les sous. Je vais déjà m'acheter une 3DS pour pouvoir la stream. Eh merde! Putain de Metroid à la con, sérieux! Ah j'aime pas cette salle. Ouais c'est clair. Ouais, bah, rien que la mini, moi j'ai même pas les fonds en revendant ma bagnole. J'aurais même pas les fonds pour l'acheter. Donc, La 3090 à 1000 balles, à plus de 1000 balles parce qu'elle est, elle est rare. Voilà quoi. Déjà que la 3080 elle est à plus de 1000 balles, la 3090 elle est plus chère. Mais dégagez putain de Metroid à la con, sérieux. Mais non, mais. Oh, putain, mais ils font chier. Et j'ai crevé. Hein. Je vais faire comme tout à l'heure, j'ai me laisser crever. $4500, ah ouais. Pas cher. Je pensais que c'était plus cher quand même. Oh l'enculé! Mais arrêtez de vous démultiplier. Mais non. Ah mais il est hallucinant ce jeu. Tu peux passer des trucs. Large, mais très large, sans rien faire. Il y a un truc qui va se passer, c'est que tu vas crever et tu vas même plus pouvoir repasser les salles comme tu faisais avant. Allez, crève! Mais arrêtez de m'attaquer là. Oh bon. Je crois que je vais me laisser crever. Donner pas de vie surtout.
Allez, rentre dans la... Putain. Hallucinant. Bon. Je crois que c'est la dernière fois que j'essaye pour ce soir et après j'ai essayé de connecter ma Game Boy Advance pour essayer d'avoir les bonus. Avec la save de Metroid Fusion. PC de full stream, je l'aurai quand la DDR5 sortira, voire même un peu après. Essayer d'avoir quand même de la DDR5 à plus de 6000 MHz. Ça sera que des composants de récupération. Mon 3570K qui est en train de tourner actuellement. La 670, la 1080 elle ira dans le PC. La 1080 Ti ira dans le PC gamer. Ah ouais, tu regrettes le double PC? Et pourquoi tu regrettes le double PC? À l'usage au quotidien, trop chiant, ah ouais. Montage vidéo YouTube, un double PC. C'est pour stream un double PC, c'est pas pour, pour montage vidéo. Faire le montage vidéo avec le PC le plus puissant. Ça après il y a toujours moyen de toujours moyen moyenné, comme disait un grand homme qui est ici présent d'ailleurs. Tu mets OBS sur ton PC de gaming et t'enregistres.
connard. À voir. Oh putain, c'est le rayon glace, je déteste le rayon glace. Et bientôt sur les plages, ce sera glace, glace, boisson fraîche, vaccin pour le Covid. Ok. Non, 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 tu ne m'attires pas, non, 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 tu n'y arrives pas, voilà. Non, 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 non. Il commence à me tuer ce boss. Dans les interviews, émissions là-dessus, il fallait jongler avec les deux PC. Ravi. Ouais. Et ma carte graphique arrivera, dis-moi. Si j'ai le temps de passer à la poste demain, je l'envoie demain. Sinon dans la semaine. Ouais, pas de problème. La petite 670 qui a encore de beaux jours devant elle.
Non, j'ai pas trouvé pour le dash de côté, je sais pas comment faire. Ah, c'est peut-être ça alors. Ah, c'est peut-être ça qui parlait, docteur. Ouais, les frais de port pour. Je lui envoie ma carte graphique en fait. Celle qui me sert plus pour le moment. Une petite 670 2 Go de RAM. Ah, t'avais compris quoi. Parce qu'on parlait de la 670. De la carte graphique que j'avais en commençant le streaming. Ah oui, j'envoie des fils de pute, oui, effectivement. J'ai encore récupéré quasiment toute ma vie. Faudrait qu'il crève. Bon. Il est tout en onde. Oh putain de merde. Ah putain, mais je pensais trop qu'il allait charger. Et là, il charge, putain. Arrête de changer de couleur. Il est chiant. Mais...
Mais... Oh, j'en ai marre. Allez. C'est limite là. Oh, tu peux crever, s'il te plaît? Allez, crève. Voilà. Bon. On court, on court, on court, on court, on court, on attend la flaque de Phazon, on lui dégomme jusqu'au 3 quarts, et après on dégomme les connards de Pity Metroid. C'est tout moi. Vas-y, à boule d'avis. La plaque de Phazon, elle est là. T'es où?
crève. Ok, plaque de phason. Avec les bébés Metroid. Oh putain. Grosse bombe sur les vilaines bêtes, ouais. Faisons, on va changer la vision. Voilà. Elle prend sa forme de merde. Un truc. Une petite flaque de phason, s'il te plaît. Ok.
Merde. Les crèves. Encore une ou deux fois, ça devrait le faire. Merci Pargo. Oh putain, j'ai réussi. Oh putain. Non, 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 pas de QTE. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci DC. Merci Oren pour ton raid, vous arrivez à la fin. Salut Cabueno. Salut Ionalia. Désolé, je dirai après. Hein. Et bienvenue en tout cas. Voilà. Vive le puissance 4, ouais. Le raid sur la fin du jeu, ouais. Bon, étant donné qu'il reste 15 minutes, j'ai la Game Boy Advance à côté, j'ai essayé de faire un truc. Salut Risotto, comment vas-tu? Enfin! Enfin fini, ouais. Par contre, j'ai fini à 70%. J'ai pas fini au taquet. Mais je suis content. J'ai au moins réussi à finir Echo le Dauphin sur Dreamcast. Et Metroid. Metroid Prime. Sur GameCube, la vraie GameCube. Eh bien, merci du follow. Bienvenue dans la horde. Echo connaît pas, ouais. Voilà. Ah, viens de le finir. Ah, putain, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc le prochain jeu, ce sera jeudi et ce sera la toute découverte de Ocarina of Time qui est ici sur GameCube dans son édition, je sais pas laquelle je vais faire, peut-être à pile ou face. Il va pas faire la mise au point, si ça y est, le Master Quest. Je sais pas si je vais faire directement le Master Quest ou si je. Ou si je fais Ocarina of Time. Un jeu banal, nal, 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 nal. Voilà. Ce sera le prochain jeu du jeudi soir. Celui qui remplace Skyoff. Le bandana, il est là d'ailleurs, de Skyoff. De l'édition japonaise. Le bandana que j'avais sur la tête à chaque live. Les SO des modérateurs, ouais. Voilà. Les SO, si vous connaissez pas ces streamers, allez-y. C'est vraiment du lourd qu'ils font.
Ouais, elle est super la musique. Et oui, Cabono, forcément. Ah putain, ça fait du bien. Encore un jeu de fini. Je pensais pas le finir ce soir. Sous-moi. combien d'heures de jeu? Je sais même pas. Parce que je crois qu'il y a 22h40, mais il n'y a pas les morts de compter. Donc je dirais facilement 30-35 heures. Mode difficile actif. Mode difficile actif. Non. Non. Non, 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 c'était le mode difficile. Dans la meilleure fin, tu vois le visage de Samus. Bah oui, en même temps, fini à 69%, voilà. Difficile? Non, non, pas du tout difficile. Extrêmement difficile, oui. Ah oui, followez-vous les uns les autres. Merde. Bon. Alors, j'ai toujours pas le livret de Metroid Fusion. Putain, ça vient de planter. Ça sauvegarde et ça plante. Bon. Je pense qu'il va falloir que je le relance. Ça va être sympa. Alors je lance avec l'action replay. Le SD Media Launcher. C'est pour avoir le 480p. Parce que là, la console a totalement merdé. D'accord, elle reboot même pas quoi. C'est quoi le problème? Va falloir refaire le boss, non. Non, 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 je le refais pas le boss. Je le refais pas le boss. Je ne refais pas le boss. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ouais, c'est testé par moi avant pour le Game Boy Player. Et après pour Swiss, pour le 480p, et après, bah voilà. DCman a testé la GameCube avant moi, par contre. En live. Ah oui, Swiss, c'est le feu, oui. Et solitaire. C'est clair que Swiss, c'est le feu. Si tu veux bien le lancer en 480p Swiss, merci, voilà. Hop. On boot sur le DVD qui est solitaire, qui est ici, voilà. On le remet dans la GameCube. Yep. Sans relancer la GameCube, forcément. On valide le lecteur DVD. N'empêche, la Dreamcast, on se fait moins chier pour avoir une top qualité. Ouais, c'est clair. T'es pas obligé de booter n'importe comment.
Sauron. J'ai raté quelques messages, je pense. So, moi aussi, je fais pareil que des scénarios. Ouais, si tu stream, n'hésite pas. Hein. Soupique. Pour la Dreamcast, il y a la femme à Conquerax qui cherche à streamer au mieux. Ah bah oui, tu peux l'envoyer chez nous. Ah non! C'est bien ça, ça a planté. Hein. Oh putain. Ah la loose. Yep. Ouais, follow pareil. Yep. Yep, c'est follow. Mais de rien. Putain, ça a pas pris la save. Ah, je suis dégoûté. Ah, oh, je suis dégoûté. Quitter le jeu, ouais. On va. Je comprends pas pourquoi il merde le jeu. Il vient de replanter là. Ok. Ah, c'est bien ça, les streams sur de l'art. Ouais. Oh putain, pourquoi il plante mon jeu là? J'avais déjà remarqué dans les précédents streams qu'il plantait, mais et là il plante. Pas cool. Si je peux pas sauvegarder après la fin du Metroid, ça va pas être top ça. Pourtant le jeu est pas sale, pareillé. Ah si, il y a une petite rayure, mais bon. C'est pas grand chose quoi. Swiss est à jour, je pense pas, mais il fonctionnait très bien avant donc. Je vois pas pourquoi il planterait. Je suis en version 934. Bon. Yep. Non, je crois que c'est même pas le jeu, mais la console qui plante. Parce que le bouton reset, il marche plus. Comme si elle surchauffait. Comme si elle surchauffait. Ouais, t'avais une GameCube qui fonctionnait pas bien. Ouais. On va essayer dans le. Bon, même si c'est en dégueulasse, on va essayer de faire
de faire Sissi. Donc, on branche la Game Boy Advance à la GameCube avec une cartouche de Metroid Fusion. Alors, comment qu'on fait? Déjà, on remet l'image de la GameCube. Faut qu'on redimensionne l'image de la GameCube. Ah. Au moins, on a un truc à peu près potable. On allume Sissi. Et normalement, on peut avoir du contenu bonus exclusif. Et comment qu'il faut faire ça, je sais plus. Bonne nuit, Yul. Putain, j'ai pas réussi à le prononcer. Yunalia. Normalement, en faisant bonus de connexion Metroid. Jouer à Metroid version NES. Costume de fusion. À chaque fois que je dis ça, il y a comme une musique. Bonne nuit. Pour activer le costume de fusion dans Metroid Prime, terminez le jeu Metroid Prime qui est connecté Metroid Fusion sur Game Boy Advance à Metroid Prime. Insérez le jeu Metroid Fusion dans votre Game Boy Advance, il est lancé. Connectez la Game Boy Advance au port manette 2, 3, 4 de la Nintendo GameCube, c'est fait. Allumez votre Game Boy Advance tout en appuyant sur Start et Select. Ok. La 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 la. Et des bisous, oui. Bonne nuit. Donc Start et Select. Installez le jeu dans votre orifice. Donc là, on a un magnifique écran Game Boy. Processer la transmission des données vers la Game Boy Advance. Yep. On éteint la Game Boy Advance. Donc là, elle est éteinte. Et costume de fusion. Ah, ce bordel dans les câbles maintenant. T'avais la même quand t'étais petite. Des bisous et une bonne nuit. Ça fait une heure que tu te dis, allez, encore 5 minutes. C'est la dernière que je fais. Costume de fusion activé. Là, normalement, si on relance le jeu, pourquoi
On a que le diffus. Ah non, mode normal. C'est pas grave, on va le lancer en mode difficile. Il me vend le costume de fusion, ouais. Ouais, je te vends le costume de fusion. Ouais. Elle est belle, hein? Genre, tu vas pouvoir jouer aux jeunesses pour de vrai, ouais. 18 ans que t'attendais de le voir. Hein. Ah ouais. Incroyable! Fait un moment fort de ça en vrai. Ouais. À la base, je voulais faire le jeu avec le costume de fusion. Merde, il y en a d'autres en haut. Y a pas une petite scène où on la voit directement dans la... dans une vidéo? Ah oui, la rareté de voir ça dans des conditions réelles. Ouais. Impossible à avoir de base. Ah, j'ai skip la scène d'intro, merde. Attends, je réessaye un truc. Ça va replanter, mais bon. Ah non, ça a pas planté. Bah en fait, le costume de fusion, faut déjà avoir fusion, une cartouche. Faut finir le jeu. Je l'ai fini. Faut avoir une Game Boy Advance, le câble qui relie la Game Boy Advance à la GameCube et le jeu Metroid. Non. Là, je te signale que c'est une nouvelle partie, une toute nouvelle partie de Metroid que j'ai faite. Ça fait cher le DLC, n'empêche, ouais. Yep. Par exemple, si j'efface celle-là, yep. Que je remets. Ouais, mais je suis pas en meilleure condition là, ça me saoule. Je touche plus à rien, promis, j'ai plus rien dans les mains. Cosmos, in the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. T'as le cam, mais t'as pas les jeux. Épouse-moi. Le jour qu'on se voit, on fera un mariage, toi et moi. Avec le costume de Samus Aran de Metroid Fusion. Je sais pas ce que c'est la catégorie tamisme. Un stream spécial event.
Là, c'est la... C'est la Metroid Prime, celle-là, l'armure. C'est la Metroid Prime, l'armure. Qu'est pas ça? Mais qu'est pas ça? Attends, je relance. Pas normal, ça. Ouais, c'est pas normal, ça. Déjà, je suis pas en haute qualité, déjà. Alors, attends. Effacer. Bonus de connexion. On va tout refaire. C'est peut-être ça, en fait, qui a planté. Ah oui. Il s'était remis sur désactiver. Non, faut pas refaire la manip, en fait, c'est sauvegarder sur la carte mémoire que t'as fini fusion. Brûle un cierge. Should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Meilleur jeu de toute façon, ouais, il est cool. Difficile, mais cool. Très beau. Aussi. Sauf les boss, ouais. Et en fait, ça m'a bien pris en compte la sauvegarde. Ah, elle est là. La classe. Je la remettrai peut-être sur YouTube en meilleure qualité, cette vidéo. Je la referai en meilleure qualité en 480p. Ça y est. Ça y est, Pargo, il a tout lâché là. Ouais, et puis le jour qu'on se voit, Pargo, j'amènerai ma Game Boy ou t'amèneras une carte mémoire. Et je pourrais te faire le transfert des données. C'est l'âge peut-être. Voilà. Ouais, c'est l'âge, ouais, c'est sans doute l'âge.
Ah, j'ai la visée inversée, c'est dégueulasse. Tu t'es fusionné. Voilà. Bon ben, ça sent le clip. Voilà. Ça sentait le clip. Voilà. Et donc après avoir montré le costume de fusion dans Prime, ce que je peux faire, c'est quitter le jeu. Et en même temps, moment historique, c'est clair. Mais à la base, c'est comme ça que je voulais y jouer. Mais j'avais pas recherché suffisamment comment ça fonctionnait. Yep, bonus de connexion. Jouer à Metroid version NES. Voilà. Bonne nuit à tous, merci pour ce live d'anthologie et dans mon logis. De rien, Pargo, merci à toi pour ton soutien. Merci à toi. Et une bonne nuit sur les images de premier Metroid. Que je ferai sans doute un jour aussi, forcément. Et normalement, si je fais ça, que je retire la cartouche, et que je fais ça, ah non, ça agit pas comme une manette, merde. C'est pas comme le Game Boy Player. On peut pas s'en servir comme manette. Ok, va falloir obligatoirement jouer avec la manette GameCube, ce qui est pas top. Ah si, on peut jouer avec la croix quand même. Tu peux pas te servir de la GBA comme manette. Bah, faudrait que je me renseigne. Ouais. Faudrait que je me renseigne si on peut s'en servir ou pas. Alors là, j'ai eu la boule morphine. Okay. En tout cas, c'est super ces petits bonus qu'ils ont fait. D'ailleurs, avec ce... t'as pris le linker en te disant ça? Bah, normalement, le linker, tu le mets sur le Game Boy Player. Hein. C'est un super bonus, c'est clair, ouais. Ah oui, c'est pas en sauvegarde, c'est en password, ça, je l'avais lu sur le livret. Voilà. Mais voilà, c'est des bons bonus, quand même, qu'il y a. Je referai quand même une vidéo en high quality pour le Metroid Fusion. En tout cas, moi je vais vous dire bonne nuit. Je vais aller me coucher, je travaille demain en plus. Bonne nuit et à la prochaine. Mais pour le moment, on va voir quand même qui est-ce qui stream. Et j'ai fini Fusion. J'ai fini Metroid Prime surtout. Ça, c'est un bon truc, ça.
Alors, nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons, nous avons, nous avons... du Phasmophobia. Ou du Room 54. Je sais pas ce que c'est. Ouais, y a pas grand monde. Merci DC. Vous préférez du Room 54, je sais pas ce que c'est, ou du Phasmo? Phasmo? Ok. Hop. C'est parti pour du Phasmo, je vous envoie donc chez Ayame. Hop, lancez un raid. En tout cas, merci pour le soutien, merci de m'avoir soutenu face à ce Metroid Prime qui m'en a fait baver. Et on se retrouve jeudi prochain pour la découverte d'Ocarina of Time sur GameCube. Ce sera une totale découverte pour moi, un petit peu comme Metroid. Et je vous dis des bisous, bonne nuit, à la prochaine. Salut tout le monde.